Ubisoft, hé hey, hey, hey. Ubisoft. Eh oui, messieurs dames, encore Ubisoft, mais cette fois-ci, non, je partirai pas en vacances. Non, vous allez pas me faire pleurer dans les commentaires et toutes ces choses-là. Non, non, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler justement d'Assassin's Shadows et vous dire à quel point, ben, oui, je vais continuer de boycotter les jeux. Non, je jouerai probablement pas et à quel point ça va être un gros flop et vous voulez savoir vraiment pourquoi ça va être un flop et c'est aussi simple que ça ça fait partie d'une vidéo même que toutes mes vidéos, peut-être vous ne le savez pas, mais tout est improvisé. Mais de A à Z, il n'y a aucun script, zéro. Et je, je vous regarde et je parle. C'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, j'hésitais, tu vois, à faire cette vidéo-là. Je me disais, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ces Shadows Ubisoft que je n'ai déjà pas dit. Tu comprends? Parce que, messieurs, dames, je vous ai tout montré. J'ai une playlist entièrement dédiée à Ubisoft. Je t'ai montré pourquoi ces Shadows allait être un flop. Je t'ai montré le DEI chez Ubisoft. Je t'ai expliqué pourquoi Yves ne doit pas... Pro, je t'ai tout expliqué. Et même encore aujourd'hui, il y en a des gens qui vont aller soutenir Ubisoft. Il y a des fanboys qui vont aller m'insulter en privé, me menacer de mort, me si, me ça. Vous n'allez jamais comprendre. Donc, messieurs, dames, je me suis dit, bon, ils ne vont rien comprendre parce que, tu sais, peut-être qu'ils ils ne savent pas lire du texte, qu'on leur montre, tu vois, peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose de visuel, tu vois, parce que je ne sais pas comment vous expliquer de nos jours. Quand je vous ai montré le trailer d'Assez Shadows et je vous ai prouvé avec des détails qui étaient réels, on les voyait de nos yeux, tu comprends, et puis j'ai vu les commentaires négatifs, je me suis dit, bon, mais les gens, ils sont vraiment soit stupides ou soit ils sont aveugles. Donc, messieurs, dames, je ne sais plus comment vous le dire, OK? Mais, par contre, Marc-Alexis Côté, le vice-président d'Assassin's Creed, ben, il a fait une gaffe. Ah, oh, monumentale. Et j'ai vu beaucoup sur YouTube, personne ne vous l'a montré. Et donc, messieurs, dames, je suis honoré, encore une fois, d'avoir cet honneur. Bon, ça, ça se dit, là, t'as con... honoré, honneur, t'as compris. Mais je suis honoré, messieurs, dames, de vous présenter la gaffe monumentale que Marc-Alexis Côté a dit sur l'équipe. D'assez shadows. Parce que oui, il y en a qui l'ont dit à travers le texte, mais moi, je ne fais plus confiance dans les textes parce que je pense que vous ne savez pas lire. C'est ça mon problème, fan du Bisson. Tu sais pas lire. Fait que je vais te le montrer de la bouche de Marc-Alexis Côté à quel point. Assez Shadows, ton petit jeu, là, ton petit jeu. Euh, euh, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu! » Je vais te le montrer de tes fucking yeux que ton jeu de merde va être le plus grand flop de toute la franchise Assassin's Creed. Et je te le montre maintenant. Un jeu est shit until it's good. Uh, and I think this is something we've all experienced, yeah. like you're like, it sucks, it sucks, it sucks. And then suddenly. It starts to be, um, to be good. Uh, but I think it's walking people through that. Uh, one of the things that I've noticed since the pandemic is that we have a lot of juniors uh, in our, uh, our teams. And I don't know if this is something that's uh, your case uh, uh, as well, but the, the, the seniority has lowered uh, globally. And probably half the team that's building an Assassin's Creed is building a game for the first, uh, for the first time. So they don't know. So you have to explain to them that even though they're playing the game right now and they think it's the worst thing they've ever seen, it's bon. be good. Okay? We're get there. Tu dois avoir la haine, hein, hein-t'as as entendu qu ce qu'il a dit? Il a dit que la majorité des gens, c'est des stagiaires, bro. Il a dit que la majorité des gens n'ont jamais touché ou créé un Assassin's Creed de leur vie. La moitié, bro. Tu vois, c'est pour ça toutes les flops de chez Ubisoft, mon chum. C'est pour ça que ton AC Shadows, même avec ton Yasuke, ça va être un flop, bro. Parce que, même lui, il a dit, ils ont jamais touché à un Assassin's Creed ni même développé un jeu de leur vie, bro. Hein? Monsieur Cute, le fan d'Ubisoft, moi, moi je même puissant, c'est même qu'il ment Hé! Hey! Ubisoft, il va flop, bro. Tu vas voir à ces Shadows, c'est la fin de Ubisoft, ils veulent mourir avec leur jeu alors qu'ils meurent pour toujours. And probably half the team that's building an Assassin's Creed is building a game for the first, uh, for the first time. So they don't know.